sera sous ses ailes. Vous sauterez comme de veaux d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions Dieu notre Père. Nous te laissons toute la place afin que tu entres en scène et que tu parles à nos cœurs. Amen. Qu'en sortant d'ici, nous puissions dire comme Cléopas et son ami que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors que nous parlions en chemin. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux connaître là. Ok, nous avons deux heures, c'est bien. Nous avions commencé à parler, ou nous parlions toujours des événements qui se passent entre Apocalypse 4 et complétez 19. Très bien. Les sœurs sont actives, c'est bien. Ces événements qui vont d'ici à 19, cette période
c'est la période de la tribulation. La période où Israël, Dieu traite avec Israël en tant que nation. Nous avons vu beaucoup de choses et nous allons continuer parce que nous nous sommes posé la question. Frère Branham, toi tu es un homme des nations. Ton ministère, c'est d'Apocalypse 3, l'ange de l'église de Laodicée. Mais qu'est-ce qui se fait que tu te retrouves dans cette période d'Apocalypse 10? Vous savez qu'il nous a dit ça. Je vais lire cette citation pour que vous sachiez que le septième ange est là, d'Apocalypse 10. Je crois que nous les lirons dans la brèche. La brèche. Je suis en train d'introduire la brèche, je crois, c'est le paragraphe 41. Il dit, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Pasteur, tu peux prendre le livre de cela. Tu vérifies entre temps. Ayez votre carton là à côté. Parce qu'ici, nous devons dire des choses. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur message. Alors, vous allez lire ça dans la brèche, paragraphe 41. Il dit, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. À l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, tu dois venir un semblable à Élie, à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et celui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Branham est responsable de ce que dit la parole. Moi, je suis responsable de ce que dit Frère Branham, juste de vous le répéter. Donc, c'est ça ma méthode. Je vous laisse seulement en face de Branham. Si vous voulez faire des problèmes, faites-les à Branham, pas à moi. Moi, je suis à l'abri. Voilà. Et nous avons vu que cet ange, au paragraphe 29 et 30 de la même brochure, il a dit, il va tout droit au jeu. Je vous rappelle ça seulement. Il va tout droit au juif, mais ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Vous avez trouvé 41. Oui. 41. Oui. Ah, allez-y un peu, lisez un peu ça. Et une fois que les sons sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, voilà. Christ, qui pose son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Voilà. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui nous amène à étudier profondément comment les âges se terminent ici. L'Église monte au chapitre 4 et ne revient qu'en Apocalypse 19. Pourquoi alors celui-ci, au lieu de s'arrêter avec les nations, il se retrouve là. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Aujourd'hui, nous allons prendre toujours les mêmes choses simples. Là, nous allons seulement avancer l'octave. Ah. Qui joue au piano? C'est vous, là, frère. Vous connaissez cette chose de l'octave? Frère Branham en parle dans le message. Il dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est la même note, mais à son octave élevé. C'est-à-dire la parole
va sonner un peu différemment, alors que c'est toujours la même note. Mais on a seulement augmenté l'octave. Hein? C'est ce que nous allons essayer de faire. C'est pourquoi j'ai lu Malachie 4. Nous allons prendre ce Malachie 4 que nous avons toujours prêché, qu'on nous a toujours prêché, vous le présenter autrement. Pas avec des choses qui viennent d'ailleurs toujours de ce message que nous allons lire dans les brochures. Pour découvrir un autre Branham. C'est pourquoi j'ai lu Malachie 4. Bon, alors quand on vient dans ce message, comme je l'ai toujours dit, nous venons avec nos idées. Par exemple, moi j'étais catholique, vous étiez catholique aussi, mais tout le monde. Les autres c'était de pentecôtistes, etc. Nous avons des idées que nous avons amenées de là. Ils ont leur façon de concevoir la parole. Et parfois, nous venons dans les messages sans nous débarrasser de ça et ça nous cause d'amour. Or, on ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli. Il faut le vider. Dieu vous dira, amenez les vases vides pour que vous mettiez. Parce que si vous êtes rempli, on ne peut plus mettre. Maintenant, frère Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 133, il dit, c'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie, le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplité, et quoi encore, l'église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'église de Christ. Est-ce que vous demandez d'amener ces idées-là ici? Non, il dit, il faut les laisser tomber. Il dit, tous des mouvements anti-Christ. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Amen. Oh là là. Il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Bon, moi, si je quitte ce message, je n'ai plus un endroit où je peux aller. Mais je ne vois pas aussi pourquoi je dois quitter ce message. Parce qu'il n'y en a pas un comme celui-ci. Amen, amen. Amen. Voilà. Les idées, nous devons les laisser tomber. Nous aurons quelques conceptions que nous allons laisser tomber avant d'entamer Malachie 4. Vous savez, quand, ici dans le message, il y a encore beaucoup, quand on dit le ciel, ils font ça. Oui, c'est ce que nous avons amené. Nous disons, le ciel, c'est là. Mais ce n'est pas là. Le ciel n'est pas là. Monter dans l'avion, monter dans la fusée, maintenant, il y a même une sonde qu'on envoie très loin là-bas pour découvrir d'autres mondes. Le ciel est où? Mais la parole doit nous définir le ciel. Donc, nous devons voir l'idée du ciel selon le message. Pas selon les baptistes, les méthodistes, etc. Et il le dit, hein, dans Shalom là, il dit quand, bon, supposons que vous savez nager, vous voyez quelqu'un qui se noie dans la rivière, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux que quelqu'un me réponde. Vous allez plonger pour aller le sauver. Oui, vous plongez, vous nagez et vous les ramenez. Oui, vous les ramenez. C'est ça? Il va mourir, hein? Vous avez 5 sur 10. Ah oui, frère Serge, vas-y. Ah, si vous le laissez là, il va mourir. Parce que quand il s'est noyé, il buvait la rivière. Donc il y a une rivière en lui. Frère Branham dit dans Shalom de Sierra Vista du 12 janvier 64, le paragraphe 228, il dit, c'est comme un homme qui se noie dans la rivière. Vous devez faire sortir l'homme de la rivière avant de faire sortir la rivière de l'homme. Vous sortez quelqu'un de dénomination, vous le laissez commencer à prêcher ce message, il va commettre des gaffes. Il faut maintenant le laisser
qu'on sorte la rivière ou la dénomination qui est en lui. C'est comme ça. Il faut faire, si vous ne le faites pas, vous devez presser son ventre, vous devez pincer les nez, vous pouvez mettre la bouche contre la bouche, vous le secouez pour que la rivière sorte. Sinon, c'est la mort. Il viendra dans le message, mais il mourra dans le message. Et pourtant, le message, c'est la vie. Nous devons faire ça. Paul, regardez Paul, un érudit qui a contacté Christ lui-même, la colonne de feu, face à face. Mais nous avons seulement senti le ministère, mais lui l'a rencontré comme ça. Mais aussitôt, il n'a pas prêché, il est allé en Arabie. Il a fait 3 ans. Le temps que Dieu sorte, tout ce qu'il avait avalé des pharisiens, il les sort de lui, et après, quand Paul a pris la parole, même Pierre qui était avec Jésus a dit non. Ce frère a des choses difficiles, pour lesquels les hommes mal affermis en tort de l'essence. Paul a commencé à leur parler, il est rentré dans l'Ancien Testament, il a pris les ombres, il a mené dans l'antitype, il a démontré de grandes choses. C'était vraiment merveilleux. Et je crois que nous devons faire ça. Il dit, c'est vrai, vous devez le faire sortir de la rivière premièrement. Et ensuite, vous devez sortir de lui la rivière. Je ne peux pas être méthodiste sans voir le méthodisme à moi. Parce que vraiment, on dit que les vrais méthodistes devaient produire un vrai Wesley. C'était leur temps. Luther, c'est son temps. Ses enfants étaient comme lui. Et ils ont fait des ismes. Et quand je suis chez eux, je ne vois que ça. Et en venant ici, je dois maintenant m'asseoir, qu'on me presse le ventre pour me remplir. Voilà. Comme c'est beau. Bon, nous allons d'abord enlever certaines des choses que nous avons amenées ici, dans le message, qui vont nous embrouiller si nous les gardons. Je suis dans la communion par la rédemption, prêché le 3 avril 55. Paragraphe 29. Mais là, Frère Branham avait déjà commencé à enregistrer ce message depuis 47. Nous sommes en 55. Certainement qu'il a parlé aux gens des choses, du pays dans lequel nous allons. Mais aujourd'hui, Frère Branham va nous dire quelque chose qui n'a pas encore prêché depuis 49, 47, jusqu'à 55. Il va le dire seulement aujourd'hui. Imaginez-vous que vous avez les bandes seulement de l'époque là. Il faut maintenant être souple pour avaler ce qu'il va vous dire. Il dit ceci. Nous commençons par la 29. Maintenant, écoutez. J'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez attentivement cette remarque. Je vais être un petit peu différent ce matin. Je vais me déchaîner concernant certaines choses de ma propre théologie. Certaines de mes opinions personnelles. Mes propres conceptions des Écritures, dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église, ni dans aucune autre église. Donc ça sera du nouveau. Mais je pense que ce matin, cela pourrait être profitable. Alors profitons. Il dit, tout homme dans son cœur a des conceptions, ainsi de suite, qu'il croit. Et tient pour sacré en son cœur. C'est ce secret entre lui et Dieu que personne d'autre ne connaît si ce n'est lui et Dieu seul. Vous savez cela? Chacun de vous croyant, vous le savez. Il n'y a que le croyant son créateur seul. Écoutez maintenant ce qu'il vous dit. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. C'est, je vais entendre un amen. Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois, quand Jésus parlait dans Jean 14,
disant, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps. Amen. Un lieu d'habitation. Amen. Car les Écritures confirment la même chose et disent, si cette tente est détruite, nous en avons une qui attend. Amen. Le voyez-vous? Amen. Or, nous sommes témoins, on nous prêche toujours, frère, même si vous n'avez pas une maison ici, hein, ne vous en faites pas. Jésus, dans Jean 14, est allé vous construire une jolie maison. Vous aurez 2 salons, 3 salles de bain, etc. Bon, c'est... Aujourd'hui, on change un peu. Alors, il dit, les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Amen. Ainsi, le lieu dans lequel on va en attendant de revenir n'est pas un lieu fait de briques, de mortier, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. C'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Jésus a dit, détruisez ce temple et je les reverrai en 3 jours. Et ils ont pensé, voilà tout un problème de pensée. Ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Et il est allé préparer une place pour un croyant, pour qu'au moment où nous sortirons de ces régions mortelles, nous n'entrions pas dans quelque chose de mythe ou dans un esprit surnaturel, mais que nous entrions dans un tabernacle, une demeure. Écoutez, et cela pourrait être ici même dans ce bâtiment ce matin, dans une dimension qu'aucune radioactivité ni rien d'autre ne pourrait atteindre. Ça se trouve là, c'est préparé par Dieu seul. Donc enlevons l'idée quand on dit, c'est vrai, je peux prêcher en disant, frère, j'ai une maison au ciel, mais la pensée humaine, avec... Tout ce que les dénominations nous ont donné, nous pensons toujours à ces maisons ici. Or, Branham dit, tout ce que nous avons dans le naturel ici, ce n'est que l'ombre. Quand vous voyez un arbre ici, c'est l'ombre d'un véritable arbre qu'il a. Cette maison, c'est l'ombre de la vraie maison. Et c'est pourquoi Frère Branham dit que peu importe ce que vous avez comme maison, vous pouvez avoir autant de chambres, mais vous n'avez qu'une maison à 3 pièces. Là où vous mangez, là où vous vivez et là où vous dormez. C'est tout. Et c'est le modèle de ce que l'on. Corps, esprit, âme. Et l'âme, c'est la chambre à coucher où Dieu traite avec son épouse. Et là, personne d'autre n'entre que l'homme et la femme. Même les enfants, ils restent dehors. Bon, ok. Je ne suis pas là pour enseigner la maison, mais je voulais seulement vous montrer que nous n'avons pas de maison littérale. Là-bas, non. Maintenant, le ciel se voit. Nous devons aussi voir le ciel. Parce qu'on a dit que là, au ciel, il n'y a pas ces maisons-là. Maintenant, le ciel se voit. Ça vous va, sœur? C'est bien que je parle du ciel, non? Oui. Voilà. 63, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965. Après là, nous prenons maintenant Malachie 4. Selon la pensée de Dieu et non selon notre pensée. 63, il dit, et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle. Dernièrement, je crois que les Français ont envoyé une fusée là, à 480 km de la Terre. Ils ont fait 3 jours. Or, même l'avion, c'est quelques minutes. Mais comment 480 km, ils font autant de temps à une vitesse vertigineuse? C'est pour confirmer ce que Abraham dit, ils se déplacent en formant des cercles. Il dit, ils vont découvrir ça, eux, et nous aussi, on va découvrir quelque chose. Il dit exactement, vous découvrirez un de ce jour que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. Exact. Mais vous êtes encore ici aussi. Voilà. Amen. Seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Amen. Les dimensions sont seulement ici.
La première est ici, la deuxième est ici, la troisième, la quatrième. La... Maintenant, il faut avoir des possibilités d'y entrer. Par exemple, les ondes passent ici, les images passent ici. Mais nous, nous sommes dans trois dimensions, nous ne pouvons pas accéder. Mais avec des appareils, on peut nous produire la quatrième dimension, la matérialiser ici. Et c'est comme ça. Les dimensions, ce n'est pas vous devez aller là-bas, très loin. Non, regardez William Barran, quand il est allé au ciel, il voyait son corps quelque part là, presque 6 mètres. Donc, ce n'est pas comme nous pensons. Oui, je peux prêcher des frères, nous allons voyager à la vitesse de la pensée, nous allons partir au-delà des étoiles, au-delà des ondes, au-delà de la voie lactée. On se représente comment on va dans une fusée, dépassant toutes ces choses-là. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il dit, vous voyez, c'est mal dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. On n'a pas le temps de voir la rapidité, parce que si une image passe à la grande vitesse ici, même nous ici, on ne va pas la voir. C'est l'accélération. Je peux faire ça comme ça. Parfois, vous ne verrez pas de quoi ici. Mais si je fais, quand je décélère, ça devient visible. Nous sommes seulement dans les dimensions de la décélération. C'est pourquoi nous voyons. Et plus vous montez dans d'autres dimensions, la vitesse augmente, alors vous ne voyez pas. Alors, pour avoir un peu, vous dites, les anges sont ici, vous ne les voyez pas. Voilà, ils passent. Ils sont dans une dimension que nous, on ne peut pas saisir. Mais ils se trouvent ici. Voilà. Maintenant, il dit ceci dans le quatrième saut, comme vous avez le livre là-bas, vérifiez. Quatrième saut. Le paragraphe 336. Écoutez ce que votre prophète vous dit. Le grand prophète. Vous avez trouvé? Quatrième saut. Paragraphe 336. Vous avez trouvé? Je l'ai dit. Quatrième saut, paragraphe 336. Il dit, je l'ai dit. Si Dieu parle ou vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel tout entier est derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Oui. C'est ce qui est écrit? Amen. Donc le ciel, c'est la parole. Il consiste en la parole. Voyons comment ces gens-là vivent là au ciel. Toujours 4e, 134 ans. Toujours là où vous êtes, mais 134. Il dit, et je pense que n'importe quel chrétien, né de nouveau, est un peu drôle, hein, est un peu un drôle d'oiseau pour le monde. Ce que vous avez été changé. Vous êtes d'un autre monde. Votre esprit vient de l'autre côté de l'abîme et de ce côté-ci. C'est un tel fouillis. Alors, si vous n'êtes pas différent, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes encore trop attaché à la terre. Vos pensées doivent être orientées vers le ciel et le ciel vit des haricots. Hein? Non. Et le ciel vit de la parole. C'est pourquoi la frère Marie nous dit que venez, vous allez souper la parole, c'est la parole que vous allez souper. Parce que l'être surnaturel ne mange pas les choses naturelles. Bon, maintenant écoutez d'abord, c'est que vous savez que maintenant si vous dites aux gens, frère, le ciel consiste à la parole. Maintenant, si lui ne comprend pas, il va se tourner contre toi. Pasteur Pierre, tu as des fausses doctrines toi. Et pourtant, tu lui lis ce que son prophète lui dit. C'est maintenant un qualificatif pour échapper à la parole. Parce que ce n'est pas facile, frère, on dit que quand on chante des dispensations, c'est difficile, les gens meurent là, parce que les gens n'aiment pas changer. Quitter d'un agneau naturel, tous ces sacrificateurs étaient habitués à manger la graisse de ces bêtes-là, parce qu'on ne brûlait pas tout. On brûlait les sangs, on entre avec la chair, là, ils mangeaient. Maintenant, ils voient quelqu'un qui leur dit non.
L'agneau là, c'est Jésus. Ah, toi tu as des fausses doctrines. Nous allons continuer à mener notre agneau au tabernacle. Voilà. Or, ceux qui sont confiés dans cet agneau, Jésus, tel qu'il est baptisé, ils ont recouvert leur vie, etc. Mais ils sont restés cramponnés à ces choses-là. Et c'est la même chose, parce que ne vous en faites pas. Le message des frères Branham ne pouvait pas être compris pendant qu'il était là. Lui-même l'a dit. Il dit, mais après mon départ, vous, jeunes gens, vous allez comprendre. Maintenant que vous comprenez, vous devez vous préparer aussi à la guerre, parce que les gens ne vont pas avaler ça facilement. Mais après un temps, ça sera facile. Vous, vous serez là comme de boucs émissaires. Vous savez, ceux qui ont déjà été en forêt, quand ils vont en brousse le matin, c'est lui qui passe les sentiers avant, c'est lui qui se mouille. Oui. Il se mouille, mais les autres qui viendront, ils vont passer sans problème. Et quand vous acceptez d'être leader, vous devez vous attendre à vous mouiller, à vous sacrifier. William Branham qui a amené ce message, il s'est sacrifié, il a abandonné beaucoup d'avantages parce qu'il s'était cramponné à ça, les messages n'allaient pas nous arriver. Il allait être corrompu par l'argent, il a déchiré des chèques blancs. Il a souffert pour que ce message soit ce qu'il est. Et toi aussi, tu dois souffrir pour que les gens aient une nouvelle compréhension du message. Il faut se mettre courageux. Et comme je l'ai dit, Dieu vous donnera des amis. Voilà. Et je prends une autre chose qui se dit, c'est la dernière, et puis on passe. C'est dans l'influence, prêché le 3 août 1963. L'influence. Ne laissez pas les gens dans le froid à cause de moi. Moi, je vais m'éponger. Remettez la température. Moi, je vais supporter, sinon les gens vont souffrir. 48. Je vous donne la date, 3 août 63, 48 jusqu'à 49 ou 50. Écoutez ce qu'il vous dit. Vous continuez à aimer Branham, bien que nos idées soient en train de tomber. Qu'il continue à vous parler. Oui. C'est bon. Il dit, je connais un homme dans le monde aujourd'hui. Un homme bien. Également un homme bon. Un vrai prédicateur de la parole. Et je dirais un bon frère, un vrai frère. Regardez un peu comment Branham le vend. Un bon frère, un vrai frère, un vrai prédicateur. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il continue à éprouver des sensations. Et il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle. Disons que les gens ne vont pas mourir. Branham dit, je crains qu'ils ne se retrouvent dans une situation si délicate qu'ils n'en reviendront pas. Ces gens-là. Il dit, parce que c'est faux. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, nous savons qu'il nous faut mourir. Je ne voudrais pas vivre dans cette maison de pestiférés que j'habite. Ça attrape chaque maladie qui passe. J'aimerais en avoir une qui n'est pas faite des mains, qui est conçue par Dieu, qui n'est pas une plante hybride comme celle-ci. J'aimerais en avoir une qui a été faite des mains de Dieu, que ni les maladies, ni les afflictions, ni la mort ne touchent. Eh bien, n'importe comment il m'appellera, je serai prêt par la grâce de Dieu, croyant que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons déjà un édifice qui nous attend. Nous y entrerons. Nous ne pourrons plus mourir là-dedans. Oh là là, il continue à parler de cette vie éternelle. Donc, un bon frère, mais il s'est fait des idées. C'est ainsi que nous avons d'abord commencé à montrer que si vous ressuscitez avec ce corps, vous mourrez encore. Vous ressuscitez, vous mourrez encore. Vous ressuscitez, vous mourrez. Abraham dit, quand ils disent, les tombes vont s'ouvrir et les morts en sortiront, Abraham dit que c'est peut-être vrai, mais ça ne s'ouvrira pas dans le sens que vous vous dites, hein, ouvrir. Parce que Dieu n'a pas besoin de ce vieux cadavre. Il dit, vous en faites un semblable à celui-là. Amen.
Si vous vous rappelez, nous sommes déjà passés par là. Amen. Maintenant, ce prédicateur, il était dans la fausseté comme ça, il a continué à prêcher ça, à prêcher. Maintenant, il va revenir comment? Tous ces gens-là vont revenir comment? Parce que ce qu'ils disent là est faux. Bon, maintenant, nous retournons à Malachie 4. Vraiment, serrer la ceinture, parce que c'est une nouvelle matière. Il y a eu, après Élie le Tsibite, il y a eu, qui connaît? Un autre Élie. Élisée, très bien. Après Élisée, Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, Branham. Voilà. Voyons maintenant les deux Élie récents ici. Prenons Jean-Baptiste. Et puis Branham. Nos âmes vont être bénies. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Vrai ou faux? Amen. Et Branham est le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est pourquoi il a dit tout comme Jean. Et Dieu lui dit comme Jean-Baptiste. C'est pareil à Jean-Baptiste. Je t'envoie aussi. Tu feras comme Jean-Baptiste. Maintenant, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Prenons nos Bibles dans Luc 1. Nous allons voir ce qu'il devait faire. Je crois que c'est le verset 17. Si je ne me trompe pas. Je vais chercher ça. Si vous ne connaissez, si vous ne comprenez pas bien Élie, le premier, vous n'allez pas comprendre le deuxième. Il dit, on parle de lui, je commence au paragraphe, le verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sa mère. C'est arrivé comme ça, non? Quand Élisabeth est allée rencontrer Marie, l'enfant qui était mort au-dedans d'elle, a tressailli. C'est à ce moment-là qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Mais c'était un enfant fantastique. Un enfant qui baptise du Saint-Esprit un autre. On dit, il est né Christ, le Seigneur. Il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Il fera quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il va ramener les cœurs. Il va ramener les cœurs de qui? Des pères. Des pères vers leurs enfants. Très bien. Vous les mettez maintenant dans quel livre de la Bible? Vous voyez comment nous allons lentement pour comprendre ça. Maintenant, ce qu'il va faire là, vous les mettez où? Dans quel livre de la Bible? Actes des Apôtres. Dans l'Ancien Testament. Parce que quand nous avons lu Malachie 4, on dit il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Mais entre-temps, nous avons Malachie 3. Alors, un peu dans Malachie 3, où on parle des gens, regardez comme c'est beau, une petite école de dimanche. Amen. Malachie 3. Voici, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen.
et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Maintenant, Jean, il est dans Malachie 3 ou dans Malachie 4? 3. Il est dans Malachie 3. Il n'est pas dans Malachie 4. Applaudissez pour vous. Ah, il est. Je veux d'abord avoir vos opinions. Il est dans Malachie 3 et 4. Jean. 3. Jean. Jean-Baptiste dans Malachie 3. Il est dans Malachie 3. Et Malachie 4, c'est qui? C'est Branham. C'est Branham. Très bien. Quelqu'un a une autre opinion? Allons-y. Très bien. Nous voyons que Jean est dans Malachie 3. Voyons où Jésus va le mettre. Allons dans Matthieu, je crois, au chapitre 11. Il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Commençons au verset 7. Matthieu 11. Il dit, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça c'est Jésus qui parle. Il met Jean-Baptiste dans quel Malachie? Malachie 3. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début de notre foi, et en lisant certaines citations, nous avions mis Jean-Baptiste dans Malachie 4. Par le fait qu'il ait dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Bien sûr qu'il l'a fait, suivez bien. Il l'a fait, mais son ministère n'est pas dans Malachie 4. Écoutez, dans Exposé 317, vous avez ça là-bas, vous pouvez vérifier. 317 dit, non seulement nous voyons la venue de ce messager dans Apocalypse 17, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Matthieu 17, 10. Les disciples lui font cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus lui dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il dit, avant la venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'Église. C'est ce qui est dit dans Malachie 4, 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Branham dit, il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Il a une œuvre précise à accomplir. Cette œuvre est la partie de Malachie 4, 6 qui dit qu'il ramènera les cœurs des enfants vers leur père. Dit Branham, va faire quoi? Il ramènera les cœurs des enfants vers leur père. C'est une partie. Suivez. C'est ce qui nous fait savoir que cette œuvre précise est celle qu'il doit accomplir en ce temps. Ce qu'il a déjà accompli, la partie qui dit qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. Vers les enfants. Quand le ministère d'Élie était ici en Jean-Baptiste, Luc 1, 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Écoutez, avec le ministère de Jean, les cœurs de pères
ont été ramenés vers les enfants. Amen. Jean-Baptiste est venu. Amen. Il a pris les cœurs des enfants, des pères, il l'a ramené aux enfants. Mais maintenant, quand Jésus le place, il ne le place pas dans Malachie 4. Il le place dans Malachie 3 seulement. C'est qu'il y a un mystère que nous devons découvrir là. Continuons. Il dit, nous le savons parce que Jésus l'a dit. Mais il n'est pas dit que les cœurs des enfants ont été ramenés vers le Père. Cela doit encore se faire. Les cœurs des enfants du dernier jour seront ramenés au Père de la Pentecôte. Jean préparait les pères pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À présent, ce prophète sur qui descendra l'Esprit d'Élie préparera les enfants à accueillir Jésus à nouveau. Merci Seigneur. Bon. On commence, hein? Vous êtes prêts? Il y a... Regardez bien. Jean-Baptiste vient conformément à Malachie 3 et Luc 1. 17, il fait une œuvre. Cette œuvre, c'est de ramener le cœur des pères vers les enfants. Regardez. Quelques gens seulement ont cru, un petit troupeau, mais ils ont pris Jean, ils lui ont coupé la tête pour dire tu ne vaux pas, nous ne te voulons pas. On a eu que le groupe des apôtres qui ont été ramenés, mais tout Israël est resté dans la loi. Vrai ou faux? On les a retrouvés dispersés dans le monde entier. En Pologne, en Allemagne, partout. Et vous connaissez la persécution des Juifs. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont coupé la tête aux précurseurs. Donc l'équation est restée. Est restée. Parce que d'après Romains, il faut que leur cœur, il faut qu'il soit de nouveau greffé sur leur propre olivier. Donc il faudra qu'au temps de la fin, les cœurs des pères soient de nouveau ramenés à celles des enfants. Et ces enfants seront les messagers. Prenons d'abord la Bible. Allons dans Romains. Les livres des Romains. Romains 11. C'est où on parle. Je commence au verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu.
sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, il ne persiste pas dans l'incrédulité. S'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ah voilà, Paul dit que les Juifs sont dans l'incrédulité. Maintenant, il dit, s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier, naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés à leur, selon leur propre nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Or, la totalité des païens, c'est pendant les sept âges de l'Église. Frère Barnabé appelle ça la dispensation des nations. C'est ça. Dieu nous a donné sept âges pour que nous puissions être sauvés. Et à la fin, il nous coupe pour prendre les trois ans et demi et remettre les Juifs sur leur propre olivier. Maintenant, il dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, c'est Dieu lui-même qui les a endurcis pour qu'il crucifie le Messie, sinon nous, on était perdus. Amen. Dieu, pensant en nous, il a voulu qu'il rejette le Messie pour que nous puissions entrer. Amen. Maintenant, il dit ceci. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Amen. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion et détournera de Jacob les inquiétés. Sion, c'est quoi? C'est l'épouse. C'est l'épouse. Très bien. Dites bien ici. Donc, les libérateurs d'Israël, c'est bien comme vous saisissez. Les libérateurs d'Israël doivent venir de Sion. Vous comprenez? Ça, c'est la Bible. Je n'ai pas encore lu le prophète. C'est la Bible. Les libérateurs d'Israël doivent venir de Sion, qui est l'épouse. Et si vous allez maintenant dans pourquoi la petite Bethléem, frère Branham dit, oh Dieu, de ces petits groupes, de ceux qui sont blanchis dans le fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus, sortira Christ de nouveau qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Et vous verrez que l'épouse des nations était aussi représentée par Rahab. Rahab avait les signes du fil cramoisi. Et vous remarquerez, Christ est né de Rahab. Amen. D'accord. Amen. Christ est sorti de Rahab. Oui. Maintenant, Israël, pour être sauvé de nouveau, il attend les libérateurs. Mais ces libérateurs doivent venir de Sion. Comme c'est beau. Maintenant, la séance passée, nous avons lu la question-réponse de 1962, où Branham a commencé à poser la question. Je ne comprends pas. Il dit ceci, pasteur, suivez, il dit, les semences doivent être semées. Donc, que je lis ça, pour qu'on comprenne bien. Branham, en 62, a commencé à s'inquiéter au sujet des cœurs de père vers les enfants. Alors que Jean-Baptiste avait fait une partie de ça. Jean-Baptiste l'avait fait, mais pas dans Malachi 4. Il a fait selon Malachi 3 et Luc 17. Et Luc 1, 17. Mais Malachi 4 est resté entier. C'est l'œuvre de Branham seul. Et c'est ce qu'il va nous dire après. Mais lisons d'abord cette citation dont je parle ici. Frère Branham, en 60, il a donné de grands messages, tels que la parole parlait de la semence originelle. Il a donné de grands messages tels que le temps de la moisson. Il a donné de grands messages comme les signes de la semence du temps de la fin. Et il est en train d'attendre ce grand événement de la nuée qui devait venir. Maintenant, il dit ceci,
Là, on a lu, je vous rappelle. C'était question-réponse du 27 mai 62. Je commence au paragraphe 162. Il dit, je pense, oh Dieu, où est celui qui va rétablir la foi des pères pour la ramener aux enfants? Parce que beaucoup étaient restés, non? Jean-Baptiste l'a fait. Mais ils ont oublié que Dieu a fait tomber Israël dans l'incrédulité. Et il faut qu'avant la venue du Seigneur, avant la venue du septième sceau, que leur cœur soit ramené pour qu'ils le reçoivent. Écoutez, je pense, nous sommes en 62, mais, oh Dieu, où est celui qui va rétablir la foi des pères pour la ramener aux enfants? Où ces semences vont-elles être plantées? Où ça? C'est ce qui doit se produire. Qu'est-ce qui doit se produire? Il a parlé, à la fin, nous avons lu avec vous, il a dit, je crois qu'ils seront rassemblés par grâce à celui qui doit venir rétablir la foi des gens, ce qui a été promis. Et le seul moyen pour moi d'arriver à cette conclusion, c'est parce qu'il a dit qu'immédiatement après ce message-là, la terre sera consumée par la chaleur, le feu. Branham ramène ça à Malachi 4. Parce que dans Malachi 4, on a dit, le jour vient ardent comme une fournaise. Maintenant, en s'inquiétant de qui va ramener les pères à la foi des enfants, il a commencé à se poser cette question et à la fin, il répond. C'est promis dans Malachi 4. Donc, écoutez maintenant. Comme c'est beau, très beau. Ils sont restés là comme ça. Et maintenant, quand William Branham reçoit la vision de la nuée, il a vu les anges, c'est ça? Il a vu les anges qui sont venus de l'éternité. Et il y a eu un coup de tonnerre, une déflagration qui l'a emporté. Il était dans la chambre, très bien. Ça l'a emporté là, il croyait qu'il allait mourir. Suivez ça, Branham était là dans la chambre. L'esprit en train de l'amener ici et là. Mystérieusement, sa Bible s'ouvre dans Romains. Gloire à Dieu. La Bible s'ouvre dans Romains. On parle de la pierre d'achoppement qui est placée en Sion. Branham dit, je ne comprends pas comment je peux lire ça. Il ferme la Bible. Il dit, Seigneur, si c'est toi, accepte que ça revienne encore. La Bible s'ouvre là encore. Je le lis. Monsieur, dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 217, je descends. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Tant de péché. Si je monte encore au-dessus, nous n'allons pas terminer. Bon, je commence par là. J'entendis un moment, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à faire, qui doit m'être révélé plus tard, alors on voit ta puissance. Et cela me transporta presque hors de la chambre. Donc la puissance est revenue. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer la porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. La Bible était ouverte. Et je lisais, je ne sais pas, mais c'était, je crois, dans Romains chapitre 9, le dernier verset. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre d'achoppement, une pierre angulaire précieuse, et celui qui croit en lui ne sera point confus. J'ai pensé, c'est étrange que je lise cela. Il dit, l'esprit continua à me transporter dans la chambre. Puis je suis allé vers les fenêtres, c'était environ 10 heures du matin ou davantage. Je levais les mains et je dis, Seigneur Dieu,
Je ne comprends pas. C'est un jour étrange pour moi. Et je suis presque hors de moi. Seigneur, qu'est-ce que signifie cela? Laisse-moi les lire de nouveau si c'est toi. Il dit, maintenant, cela paraît juvénile. Je pris la Bible et l'ouvris. Cela se trouvait de nouveau au même endroit. Paul le disant aux Romains que les Juifs essaient de l'accepter par les œuvres, mais que ce n'est pas la foi que nous le croyons. Il y avait une œuvre qui restait pour que les Juifs soient ramenés. Maintenant, si nous prenons Jean-Baptiste, nous le mettons dans Malachie 4, qu'il a déjà accompli Malachie 4, la première partie, c'est qu'il y a maintenant l'impasse. Si Jean a déjà accompli sa parole là, de ramener les cœurs de Paul, maintenant, ses pères qui ont été endurcis par Dieu, qui étaient restés incrédules, qui va les ramener pour qu'ils croient au septième saut ou à la septième trompette? C'est maintenant que nous commençons. Alors, quand William Branham reçoit des révélations de saut, il prend Jean-Baptiste. Il demande au prédicateur que plus question de prendre Jean-Baptiste et le mettre dans Malachie 4 comme vous le faisiez. Si vous faites ça, vous allez faire mentir la parole. Il dit, prenez Jean-Baptiste, laissez-le dans Malachie 3. Malachie 4, c'est moi seul. Amen, amen. Alors, Branham aura deux œuvres à faire. Regarde maintenant comment il va faire. Il prend les cœurs des enfants, il inverse, partout nous allons lire, il prend les cœurs des enfants, il ramène au Père. Et c'est ce qu'il a fait depuis 33, jusqu'à 62. Après, Branham prend les cœurs des pères et ramène aux enfants. Et les enfants ici, Branham les appelle le message. Donc ce message ici, il prend le juif, il les ramène ici. Suivez très bien, pasteur. C'est tout ce que nous avons prêché. Non, Branham n'a rien à faire avec eux. Mais d'après la parole, il se retrouve dans Apocalypse 10 comment? Alors que son message se limite au chapitre 3. On peut commencer l'étude maintenant? Amen. Ok, prenons le premier saut. D'abord, ouvrez votre premier saut. Je commence au paragraphe 206. Merveilleux. Et nous irons jusqu'à 210. 206 à 210. Donc aujourd'hui, nous chasserons Jean-Baptiste de Malachie 4. Allons-y. Vous avez trouvé, pasteur? Premier saut, paragraphe 206. Il dit en effet, il doit ramener la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être rétablie par le septième ange. Bien, oh, j'aime vraiment ça. Tous les mystères de saut que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris. Voyez, bon, regardez Malachie 4. Un petit instant, prenez-le donc simplement en note. Il est un prophète. Et il rétablit la foi originelle des pères. Maintenant, nous nous attendons à ce que cette personne entre en scène. Et pourtant, c'est lui. Hein. Vous voyez le langage prophétique. Et pourtant, la personne, c'est lui, dit, nous attendons à ce que Malachie 4 vienne. Maintenant, nous attendons à ce que cette personne entre en scène. Il sera tellement humble qu'il y en aura 10 millions de fois 10 millions qui, enfin, disons, qu'il y aura un petit groupe qui comprendra. Et ce petit groupe-là, c'est vous. Quand, vous vous souvenez l'autre jour, quand Jean devait venir prophétiser comme messager avant la venue de Christ, la voix de celui qui crie dans le désert, Malachie l'avait vu. Regardez le chapitre 3 de Malachie, c'est la venue de l'Élie qui devait venir comme précurseur de la venue du Christ. Vous dites, oh non.
non, non, frère Branham. Ça, c'est le chapitre 4. Il dit quoi? Vous qui lisez, il dit quoi, Branham? Ah, mais pardon. Vous lisez Isaïe? C'est Malachi 3, non 4. Ah, pardon. Quand tu commences à discuter, frère Branham, non, non. Ça, c'est le chapitre 4. Branham dit, ah, non, mais pardon. Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Maintenant, prenez l'évangile. Prenez Matthieu au chapitre 11, au verset 6. Il va nous le dire au chapitre 11. Et je pense que c'est le verset 6, 4, 5 ou 6, quelque part là. Quelque part par là. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait des gens là. C'est celui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Écoutez, il y en a qui essayent d'appliquer cela à Malachie 4. Il dit, non, messieurs, ce n'est pas ça. Il y en a qui essayent, alors n'essayez plus. Nous allons lire, vous allez comprendre le ministère de Frère Branham. Pourquoi c'est le trouble là? Il y en a qui essayent d'appliquer cela à Malachie 4. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Remarquez, Malachie 4, aussitôt que ce messager-là va de l'avant, le monde est complètement brûlé. Il est juste entre dans le millénium en marchant sur les cendres. Donc, voyez-vous, si vous l'appliquez à lui là-bas, alors la Bible aurait dit quelque chose de faux. C'est ça, frère? Vous qui vérifiez? C'est frère qui a encore joué. Claude? Barros. Faut que vous vérifiez parce que vous vous avez appris à regarder le faux dans les yeux. Hein? Regardez dans les yeux pour leur dire, vous ne parlez pas comme Branham. Voilà. Mais moi, je veux parler comme Branham, toujours. 2000 ans déjà passés sans que le monde ait été brûlé et que les justifient. Il faut donc que ce soit dans l'avenir. Oh là là, frère Branham tape une fois dans ça. Aujourd'hui, nous faisons monter un peu l'octave. Pour vous montrer que Jean a ramené les cœurs des pères aux enfants, mais il l'a fait dans Malachie 3. Malachie 4 est resté entier pour William Branham. Continuez. Ça, vraiment, je crois que vous allez aimer. Prouvant sa parole. Pasteur, venez. Du 26 avril. Du 26 avril 1900. 26 avril 1965. Nous sommes en avril, prouvant sa parole. Tout doit être prouvé. Vous avez trouvé ça? Vous avez trouvé, frère? Prouvant la parole du 26 avril. 1965. J'aime vous tenir comme ça. C'est plus amical, comme ça vous allez être plus fraternel. Vous avez trouvé? Je veux qu'il trouve pour qu'il soit sûr, parce que c'est une citation qui peut vous faire vomir le cœur. Alors il faut qu'il soit sûr que c'est ça. Gloire à Dieu. Prouvant sa parole. Vous l'avez en anglais? 140, nous descendons. Nous descendons jusqu'à 142. C'est merveilleux. C'est bon. Vous y êtes. Ça commence par il y en a tellement. Voilà. Il y en a tellement dans le monde d'aujourd'hui des petits croyants frontaliers. Tu vois, il ne faut pas être un petit croyant frontalier. Il ne faut pas rester à la frontière. Il faut entrer jusque dans le pays. N'ayez pas peur des géants. Il dit, ils veulent croire cela. Ils veulent croire que le Saint-Esprit est réel. Ils veulent croire que ceci, le mouvement apostolique.
Puisque Dieu a promis que dans les derniers jours, il répandrait son esprit. Il veut croire à Malachie 4, qu'il a promis que dans les derniers jours, la foi pentecôtiste originelle serait rétablie et redonnée à l'Église. Suivez. Malachie 4 le déclare. Voici, je vous enverrai Élie au dernier jour. C'est vrai. Et il rétablira la foi des enfants et la ramènera à celle de père. Vous voyez, la foi des pères à celle des enfants aussi. Amen. Vous voyez, il le faut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous dites, eh bien, ça, c'était Jean-Baptiste. Oui, okay, okay. Vous dites, eh bien, ça, c'était Jean-Baptiste. Non, non. Jean-Baptiste, c'était Malachie 3. C'est vrai. Matthieu 11 le dit. Si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont il est parlé. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. C'était Élie certainement. Jésus l'a dit, mais pas du tout l'Élie de Malachie 4. Amen. 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 Là, nous sommes à quelques jours avant qu'il ne meure. Il dit, cet Élie ici des derniers jours, il prendra d'abord le cœur des enfants. Il nous ramène au Père. Et il prend le cœur des pères, il ramène aux enfants. Il dit aussi. Il dit, il le faut. C'est obligatoirement ça. Amen. Tu refuses ça, tu es rejeté de Dieu parce que tu es un incrédule. Amen. Nous continuons, ce n'est pas fini. Allez-y, pasteur. Merci. On nous a prêché des morceaux de la parole, mais le temps est venu où nous devons dire des choses clairement. Amen. Vous dites que c'était Jean-Baptiste, mais il dit non, 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 c'est ça. Mais c'est Malachie 3, Malachie 4. C'est où il y a madame seul. Il fait deux choses. Bon, continuons. Je prends l'absolu. L'absolu du 12 du 30 décembre 62. C'est ce message qu'il a prêché le matin et le soir, il a prêché le Messias, le signe de la fin. Dans ce message, il a dit, je vais donner un message prophétique. Le soir. Et le soir, il a prophétisé. Le Messias, l'air était une prophétie. Et maintenant, 3 ans après, dans quelle attraction sur la montagne, il dit, ce message était une prophétie, maintenant c'est de l'histoire. La promesse est accomplie. Donc, quand vous avez Messias, le signe de la fin dans votre main, dites tout ce qui est ici est déjà passé. Il y a 3 ans. Bon, nous commençons par paragraphe 215. C'est facile, non? Je montre seulement que Jean-Baptiste est dans Malachie 3. Et Malachie 4, c'est qui? William Branham. Et William Branham fait combien de choses? Deux. La première, ramener le cœur des enfants au père. Voilà. Le cœur des pères aux enfants. Voilà, c'est pourquoi en 62, il s'est demandé, je me demande, où est celui qui doit ramener le cœur des pères vers les enfants. Vous avez trouvé, frère? 215, vous avez trouvé? Nous descendons. Nous n'avons pas eu de prophète dans ce temps de dénomination. Mais Dieu nous en a promis un. Voyez-vous, certainement, dans les derniers jours, il susciterait, enverrait à nouveau Élie sur la scène. Et il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères. Un retour à la Pentecôte originale. Vous savez ce qu'il a dit. Et je sais. Et je sais que vous vous référez comme lui à Jean, là dans Matthieu chapitre 11 et le verset 6. Je crois que ça se trouve là. Quand ils ont dit, que penses-tu que c'était cet homme, ce Jean? Il a dit, si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est
Il n'est parlé. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Branham dit, c'est Malachie 3, pas 4, pas Malachie 4. Mais rappelez-vous, si c'était celui de Malachie 4, alors la parole a manqué. C'est ça qui est écrit là-bas, frère. C'est 115, paragraphe 115. On s'est embrouillé. Vous vous êtes embrouillé. Paragraphe 215, nous descendons jusqu'à 217. Je veux vraiment que vous suivez ça. Comme ça, on reprend. Vous avez trouvé? Si vous dites que Jean-Baptiste est Malachie 4, la parole a manqué. La parole a dit quelque chose de faux. C'est une erreur. Pourquoi les gens vont continuer à se cramponner à des erreurs? Vous avez trouvé? Mais il me semble que c'est pas ça. C'est peut-être pas le. L'absolu. L'absolu, oui. Du 30 décembre. Parce qu'il y a deux absolus. Vous êtes à quelle date? 30 décembre. 62. 62. Il n'y a pas de paragraphe là-bas. Tu fais la recherche, donc je vérifie directement. Ici chez vous, c'est Agapao. Oui, ça va être juste quelque part. Parfois, les paragraphes, ça décale un peu. Tu peux faire la recherche, non? On fait là, comme ça. Où les currents? Dans la même brochure. Ok. Nous prenons un mot manqué. Manqué avec accent, au niveau. On va mettre un accent ici. Patientez un peu qu'on trouve ça chez lui. On m'a donné tout. Comme ça, tout le monde, jusqu'à. Il y a moyen de faire. On trouve chez lui parce que ce sont des choses qui méritent qu'on marche ensemble. Les signes. L'absolu. Moi, tu fais la recherche ici. C'est une citation capitale. Bon, on peut chercher ça autrement. Ou bien je prends un mot ici, je le cherche chez moi, l'absolu. C'est comme ça avec les disciples de Béret, il faut tout vérifier pour connaître le paragraphe ici, par exemple, police. On le voit ici, police. Ici, c'est 209. Chez moi, c'est. Ça marche. 209. Alors, nous descendons, lui, laissez-moi. De 110, dit quoi ici? Maintenant, qu'arriverait-il? Très bien. De 111, dit, c'est ce qui se passe. Très bien. De 112, dit, voici la lumière. De 113, dit, vous savez. De 114, il a dit à l'église. C'est ça, 215 euros aujourd'hui.
on n'en vend pas. Ça change ici. Mais je cherche ça pour vous. Sinon, on va le voir. Non, merci. Oh là là, c'est moi qui vous ai donné. Qu'est-ce que j'ai dit là? La parole a manqué. Là, c'est l'ancienne traduction. C'est 200. Dans la nouvelle traduction, c'est 239, nous descendons. Prenez 239. Voilà. L'ancienne, là, on a paragraphé différemment. C'est bien, il fallait trouver ça. Bon. On peut, vous avez trouvé, on commence à 238 rapidement. On a perdu quelques minutes. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de prophète dans ce temps de dénomination. Mais Dieu nous en a promis un. Voyez-vous, certainement, dans les derniers jours, il susciterait, enverrait à nouveau Élie sur la scène et il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères. Un retour à la Pentecôte originale, c'est ça? Vous savez qu'il l'a dit. Et je sais que vous vous référez, comme lui, à Jean, là dans Matthieu, au chapitre 11 et le verset 6. Je crois que ça se trouve là. Quand ils ont dit, qui penses-tu était cet homme, ce Jean de 140, il dit, il a dit, si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est parlé, voici, j'enverrai mon messager devant ma face. C'est Malachie 3, pas Malachie 4. Amen. Mais rappelez-vous, si c'était celui de Malachie 4, complété, alors la parole a manqué. Alors la parole a manqué. Parce qu'il a dit que juste à ce moment-là, le monde entier serait brûlé et que les justes marcheraient sur les cendres des méchants. Non! Ne mélangez pas cela, frère! Faites-lui dire exactement ce qu'elle dit. C'est juste, il a promis cela dans les derniers jours et cela sera ainsi au beau milieu. Ne mélangez pas ça! Sœur, ne mélangez pas Jean-Baptiste et Branham. Frère Branham refuse. C'est la vérité? Amen. Ne mélangez pas. On a trop mélangé et quand on mélange, on ne se retrouve plus. On commence à manquer de comprendre ce que ce messager doit faire. Yes. Ne mélangez pas. Branham dit ne mélangez pas. Vous vous mélangez. Bon. La fois passée, nous avons parlé, Branham, quand il dit qu'avant de mourir, il doit ramener Israël au Seigneur. C'est la fois passée, non? Maintenant, le paragraphe qui suit, nous continuons. Nous sommes dans la... Gloire à Dieu. Nous devons aller dans... Ne mélangez pas. Il n'est pas ce gars-là. Prenez d'abord 70e semaine de Daniel. 146. William Branham, un mystère. Il dit, il prend des choses, il enfouit là-bas pour que, même si tu as lu, mais qu'il y ait quelqu'un qui te fasse comprendre. Un jour, Dieu a vu, 146, 70e semaine, il a vu les Niques éthiopiens qui faisaient des tours. Éthiopie, Jérusalem. Jérusalem, Éthiopie. Il prenait trop de risques, il aimait Dieu. Il était là, mais il n'avait pas la vie. Ce jour-là, Dieu voulait lui donner la vie. Mais la vie ne vient que par le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'était les Philippe, les Pierre, etc. Il lui dit, Philippe, va vers le désert. Il va y trouver les Niques éthiopiens qui lisaient sa brochure. On l'a amené à la boucherie. Il lisait Isaïe 53, etc. Ah, Seigneur, quand ceci va venir,
Et l'Esprit de Dieu dit à Philippe, approche-toi déjà de sa parole. Est-ce que je peux monter aussi? Il monte, il n'y a pas de problème. Il dit, ce que tu lis là, est-ce que tu le comprends? Il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour me le faire comprendre? Nous avons une place. Et il a commencé à lui expliquer. Il dit, ce que tu lis là, ce n'est pas venu, c'est déjà venu. Il y a eu un homme de Nazareth appelé Jésus. Il est venu, on a fait ça. Il dit, ah, mais voici l'eau. Que dois-je faire pour me faire baptiser? Il dit, si tu crois, je te fais baptiser. Il a baptisé et puis l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe. Amen. Tu peux lire aussi des choses, tu ne le comprends pas. Tu veux dire que tous ces brochures, tu ne les as pas lues. Tu les as lues. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est nouveau? Parce qu'il y a le corps de Christ qui doit amener la semence. Mais qui est ton Philippe? Comment tu peux être sans un Philippe? Qui est celui qui te fait comprendre aussi ces choses? Ok, continuons. Allons-y. Tu as trouvé 146. Or, la véritable foi apostolique, si vous lisez ce qu'il y en a dans le livre des Actes, vous verrez que pas une seule fois, une seule personne n'a été baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pas une seule d'entre elles qui ait jamais été aspergée. Il n'y a rien de choses qui ont cours aujourd'hui sous le nom de Pentecôte qui soit jamais arrivé à cette époque-là. Ils avaient de vraies manifestations et l'Esprit de Dieu était parmi eux, montrant de façon infaillible que c'était le Christ de Dieu qui est vrai au milieu d'eux. Cette personne qui devait venir, ou plutôt ce message qui devait venir, il devait être comme Élie. Élie devait venir trois fois. Bon, vous allez dire que c'est Jean-Baptiste qui était ce gars-là. Si vous remarquez, Jésus a dit que c'est Jean-Baptiste qui a été le messager de Malachie 3, pas celui de Malachie 4. Voici, je vous envoie un message devant ma face. Je pense que c'est Matthieu 11:6 que vous trouverez ça quelque part par là, dans Matthieu chapitre 11. Pas trois. Ne mélangez pas ça. Maintenant, dans les instructions de Gabriel au Daniel, des instructions de Gabriel à Daniel, 150, nous reprenons ça et nous allons jusqu'à 151. Vous allez comprendre ce que Branham dit là. On avait lu ça ce jour-là, mais on reprend le 150. Il dit, Israël qui retourne dans sa patrie, Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Pendant que je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je l'ai dit devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir, un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois, depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exactement cette heure-là, précisément cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers avec l'évangile. Exactement en même temps, le 7 mai 1946. Écoutez. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène les cœurs des enfants au père et les cœurs des pères aux enfants, le message. Remarquez, Malachie 4, pas 3, 4. Amen. 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 Et il y a une troisième raison. Le signe du Messie, c'est en bas là-bas, mais je ne veux pas le lire maintenant. Il y avait trois raisons. La première, l'ange l'a rencontré en même temps, il lui a dit quelque chose. Deuxième, à cause de Malachie 4. Et troisième raison, à cause du signe du Messie. La dernière manifestation du signe du Messie, c'est ici chez les nations. Parce qu'il s'est manifesté trois fois. Devant Abraham, devant les Juifs et les Samaritains, il restait nous les nations. Il n'y aura plus une autre manifestation du Fils du Messie. Il n'y en aura plus. Parce que quand Jésus est venu,
Il a accompli Ésaïe 61, le verset 1 et une partie du verset 2. Il a proclamé les jours de grâce. Il s'est arrêté. Luc 4. Il s'est arrêté. Mais il a laissé le morceau qui dit « Et le jour de vengeance ». Branham dit là, c'est à sa seconde venue. Il ne peut pas proclamer en même temps et la grâce et le jugement. Il fallait d'abord qu'il proclame la grâce, qu'il rejette à la fin, il proclame le jugement. Et nous avons vu là-bas qu'il y a eu un prêtre qui est allé lui donner. C'était exceptionnel ce jour-là. C'était la plus grande onction ce jour-là. Et il est allé donner les livres, la Bible. Et Jésus a lu et après il a terminé. Et au temps de la fin, Dieu répète la même chose. Alors que Branham avait reçu une nouvelle Bible, les pages étaient collées, il cherche. Un prêtre s'élève aussi. Il lui donne. Quand Branham s'inquiétait, Dieu lui dit, c'est l'accomplissement de la partie qui était restée. La semaine ici, alléluia. La semaine où nous voyons toutes ces choses ici. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Si vous enlevez Branham de Juif, c'est fini, ils sont perdus éternellement. Parce que le libérateur vient de Sion. Bon. On continue encore un peu. Je garde bien mon temps. Où tu es théologien, où tu l'es pas, la fête des trompettes. Paragraphe 83, nous descendons. Maintenant, il a été prophétisé que les églises seraient dans cet état. Il fallait qu'elles soient rétablies. Et il a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait Élie le prophète et rétablirait les gens de nouveau. Les ramènerait. Remarquez, juste avant ou juste après son message, il y aura un temps où le monde brûlera et les justes marcheront sur les cendres. Or, il se pourrait qu'un théologien soit à l'écoute de la parole quelque part dans le monde. Si vous pensez qu'il s'agissait des gens, souvenez-vous, dans ce cas, il y aurait une erreur dans les Écritures. Amen. Aujourd'hui, où tu es fils de Dieu, où tu veux être théologien, s'il y a un théologien qui écoute, qui soit à l'écoute de la bande, quelque part dans le monde, si vous pensez qu'il s'agissait des gens, souvenez-vous, dans ce cas, il y aurait une erreur dans les Écritures. Car le monde n'a pas brûlé après le message de Jean. Jésus n'est pas venu et n'a pas fait entrer les gens dans le millénium. Mais il a promis de le faire après que l'esprit d'Élie serait. Maintenant, remarquez, dans Malachie 4, nous voyons ici que ceci doit être fait afin de ramener quoi? La foi des gens, au premier père, la doctrine de Paul, de la Pentecôte, le premier père, il ramènera les gens. Tu mets Jean dans Malachie 4, je te regarderai dans les yeux. Je n'ai pas peur, c'est une recommandation de Dieu et je dirai que tu es faux. Tu veux faire mentir la parole. La parole ne peut pas commettre d'erreur. Maintenant, le problème, c'est qu'au lieu que les gens changent, ils vont chercher à vous mettre en exergue dans un coin quelque part pour vous diaboliser, vous donner la lèpre. C'est pour cacher leur incrédulité. Amen. D'accord. C'est quand j'ai l'incrédulité. Moi, si je découvre quelque chose que je ne connaissais pas, comme les donne, Branham m'a dit, mais ce n'est pas mon problème, je prends, j'avance. Nous n'avons pas d'honneur à brandir. Nous sommes des croyants de la parole. Ou nous ne sommes rien. Amen. Merci Jésus. Il est bon. Amen. Voilà maintenant pourquoi il se retrouve là. Il a quelque chose à faire. Frère Wana, est-ce que tu as quelque chose à faire avec les juifs? Non. Il répond à la question. Il prend une autre question. Les gens pensent qu'il est passé à une autre question. Et il revient. Il termine la première question. On voit ça. Question-réponse sur le saut. Question 23. Pendant que nous sommes en train d'atterrir. Sion. Donc les gens sont obligés maintenant de couper
de couper certaines choses dans la Bible, enlever certaines pages. Parce que les libérateurs disent qu'il viendra d'ici. Tu vas enlever ça comme ça. Branham est dans Malachie 4. Le Malachie 4 fait des choses. Tu vas enlever ça comme ça. Bon. Nous sommes là dans... Question, réponse, numéro. C'est question 34. Attendez. Oui. Question 34. Le paragraphe 335. Nous sommes en train de terminer. Suivez. Sinon, quelque chose va vous échapper. Frère Branham, est-ce que pour que le message rentre là-bas, ça sera quelqu'un des nations qui va ramener ou non? Pour que le message vienne ici, il n'y a pas un homme des nations. Pour que le message retourne, il n'y aura pas un homme des nations. Vous avez trouvé? Allons-y. Étudions Branham. Frère Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir trois fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu deux fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre de deux témoins, Moïse et Élie là-bas? Abraham dit, non, non. Ce sera un homme des nations, vous voyez, pour l'église des nations. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple, vous voyez. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens le message de l'heure. Quand Dieu a traité avec les juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophète juif. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les juifs, il n'y aura pas de prophètes qui viendront des nations. Voyez, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. La question est terminée, non? Pour les prédicateurs d'aujourd'hui, c'est terminé. Mais pour les étudiants, ce n'est pas terminé. Parce que Branham prend une autre question. Après que l'enlèvement aura lieu, il coupe la question. Il termine d'abord avec celle-là. Et ça, les gens ne lisent pas. Branham dit, oh, il y aura une période de chevauchement entre les deux, naturellement, en passant d'un message à l'autre. Il doit être introduit comme ceci. Voyez-vous, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations. Ainsi de suite, très bien. Pour que le message vienne chez les nations, Dieu a utilisé un juif. C'est Paul. Maintenant, pour que le message retourne aussi chez les juifs, Dieu a utilisé un homme des nations. Vous voyez comment Branham va cacher la chose. Hein, et quand il termine, il prend maintenant la question 35. Voyons maintenant ce que Paul a fait. C'est la dernière citation. Peut-être la dernière, je vais vous lire les 144 000, ils sont quoi? Et je peux même déjà penser qu'ils sont déjà morts. Bon, écoutez, nous allons donc exposer. Parce que ce jour-là, nous avons lu, il a dit, page 35. Page 35, il vient. Le paragraphe 4, nous pouvons commencer là. Frère Branham, il décrit la nuée, il vient sur les nuées. Il dit, il vient dans les nuées, des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. C'est ce que nous allons voir le dimanche, la nuit. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde.
Certains, ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination, seront dans les deuils et que tous se lamenteront des terreurs devant celui qui est la parole. Écoutez maintenant. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver. Écoutez. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est la période des deuils là. Ah, c'est nous qui t'avons percé. Ah, vraiment, écoutez. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée. L'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera Apocalypse 11 et saisira ses deux témoins, ses deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Écoutez-le. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même, les gens des nations les ramèneront tout droit aux Juifs. Amen. Et l'enlèvement aura lieu. Amen. 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 Donc, Branham, c'est pas quelqu'un qu'on prend comme ça. Branham, c'est quelqu'un qu'on étudie avec le plan. Amen. Pour ressortir la chose entière. Parce que tu es là en train de sauter comme un chacal du haut de la chaîne. Ah frère, ils disent que Branham sera là. Mais est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que les gens disent là? Tu es quelqu'un qui doit croître bien dans la parole, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Amen. Et qui ne vérifie pas quelqu'un qui parle trop. Ah frère, ce sont les démons. Je ne peux même pas les saluer. Qui t'a dit que tu ne peux pas me saluer? Parce que même Dieu, quand il voit Satan, il parle. Dieu parle avec Satan. Oui. Il a vu Satan un jour, comme Satan, c'est quelqu'un qui se déambule comme ça. Dis bonjour Satan, tu viens d'où? Ah, non, mais ta tour. Hein. Je faisais un tour sur la tête. As-tu vu mon serviteur? Job. Oh, c'est parce que toi tu l'as gardé. Si tu l'abandonnes, je vais le cribler, tu vas voir. Il dit va, mais ne touche pas à sa vie, parce que la vie c'est le domaine de Dieu. Fais tout, mais la maladie c'est Satan. Il a tout fait, tu vois. Un jour Dieu voulait qu'on puisse séduire Akab, comme il n'y avait pas de séducteur autour de lui. Un esprit s'est présenté, il s'est incliné, il dit envoie-moi. Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire. Il dit je serai l'esprit des mensonges dans la bouche de tous ces prédicateurs-là. Ils vont toujours continuer à dire que Jean-Baptiste est dans Manachika. Je serai l'esprit des mensonges. Ils vont prêcher le mensonge. Est-ce pourquoi nous avons beaucoup de menteurs? C'est Dieu qui envoie un esprit. Oh, c'est écrit dans la Bible, Thessaloniciens. C'est pourquoi Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge. Et tous les esprits sont au service de Dieu. Bon. Voyez un peu, est-ce que vous savez quand est-ce que les Juifs commençaient à rentrer? Juste après la Première Guerre mondiale, on commençait à rentrer. Ils rentraient. Sur des radeaux, sur ceci, cela. Mais ces gens-là, voyons, c'est quoi? Que Branham parle. Vous voulez que Branham parle? C'est ça la bouche autorisée. Amen. C'est la dernière citation. Je vais laisser 15 minutes. Je suis dans la 70e semaine de Daniel. Qu'est-ce que tu viens?
bien faire dans cette période juive, William Branham? Oh, mais je suis le prophète de Malachie 4. Je ne sais pas que Malachie 4 a deux choses à faire. Tu ne sais pas que j'ai un ministère qui montre que le Messie est vivant. Tu oublies ça? Tu ne sais pas que c'est le ministère qu'ils ont rejeté qui doit revenir. Et quand on rejette Joseph, ce n'est pas Joseph lui-même qui revient. Allons-y. Nous sommes au paragraphe 150. C'est beau. Or, vous vous souvenez, quand les Juifs retournaient, ces Juifs venus des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal, d'un magazine religieux qui disait que quand les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin, en Iran, et je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient dispersés. Or, ceux-là, ce sont les vrais Juifs. Ceux qui n'ont jamais eu d'occasion. Alors, frères, voilà, le voilà, vos 144 000. Et Branham nous a dit dans le 7e psaume que la génération même des Juifs qui retournerait en Palestine, c'est celle-là qui ne passerait pas. Et une génération compte 40 ans. Voilà. Le dimanche, Dieu voulant, nous allons parler de la nuée. La nuée rassemblera. Nous parlerons à la fois de l'Église des Nations. Nous parlerons de l'Église juive. Nous parlerons de 144 000. Et nous allons nous dire au revoir, espérant nous rencontrer la fois prochaine si Dieu nous prête vie. Du reste, que le Seigneur bénisse. Pour ce soir, nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est très profond, n'est-ce pas? Amen. Vous avez aimé? Amen. Ah, si vous n'avez pas aimé, c'est que il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce que c'est que on nous donne. Ce n'est pas les pensées de quelqu'un. Si vous écoutez bien le pasteur, il n'éjecte même pas ses propres pensées. Il est tellement focus sur ce que Branham a dit. Si nous avons cru au message de Branham, voilà ce que Branham a voulu nous dire. Et nous devons dire amen à cela. Même si l'on ne peut pas comprendre, disons quand même amen. Amen. Parce que c'est ce que disent les bandes. Yes, sir. Et vraiment, je ne serai pas là toutefois pour faire des répétitions, mais comprenez que la parole de Dieu, ça, notez ça toujours dans votre cerveau, que elle a été découpée en mini morceaux, yes, et tout avait été mis dans une boîte. Amen. C'est ce que répète Branham. Mais apparemment, nous, quand nous prenons le message, plusieurs hommes de Dieu, quand ils prennent le message, c'est comme si vraiment cela n'était pas fait dans ce style-là. C'est comme si tout était fait bien, c'était bien étoffé. Alors on prend, on donne. Or, la parole est découpée. Il faut des gens qui ont ce même esprit-là,
qui a guidé Branham, qui peuvent aller prendre un morceau là-bas, un morceau, ces morceaux-là, ils prennent, ils arrangent et ils présentent ce dimanche. C'est une grande étude, hein, ce qu'il est en train de faire là. Il faut avoir l'esprit de Christ en toi pour faire ça. C'est un don particulier même. Il faut que Dieu te guide pour déceler ça, pour comprendre ça, pour fouiller ça dans chaque point, dans chaque détail. Vous partez, vous prenez là-bas, vous prenez là-bas, vous prenez, vous prenez, vous prenez. C'est une grâce de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment ici, j'espère que nous sommes tous bénis. Et que j'espère que la vision change petit à petit, ou bien la façon de parler change petit à petit. Et vous pouvez vous-même découvrir que, avec vous-même, lisant seulement les bandes, ou écoutant les bandes et lisant les brochures, c'est quand même un problème. C'est vrai que nous avançons. C'est vrai que vous allez manger. Vous allez trouver quelque chose. Mais vous ne trouverez pas tout. Il faut quelqu'un pour vous guider là-dedans. Le lieu que tu as cité ici, il a parlé, le pasteur a parlé de lui. Il partait chaque jour peut-être à l'église de Jérusalem pour écouter le message, pour écouter la parole de son temps. Mais malgré sa présence à l'église, malgré sa bonne volonté, sa capacité de lire l'écriture, il ne comprenait rien du tout. Et il a fallu qu'un homme ayant l'esprit de Christ en lui, il va écouter ce monsieur, croise ce monsieur-là. Et quand il est allé prendre contact avec lui, ce Philippe-là, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais comment je dois comprendre si je n'ai pas quelqu'un qui doit me guider? Dieu a des gens qui doivent guider les autres. Et si vous refusez ça, ça vous regarde. Vous êtes aussi libre. Restez attaché à vos bandes. Restez attaché à vos brochures. Ça ne fait rien. Réunissez ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir ouvrir l'esprit aux autres. Si vous les mettez à l'écart, ce n'est pas un problème. Mais ce qui va vous arriver, ça n'engage que vous-même. C'est que vous, il y aura quelque chose qui va vous arriver parce que vous avez refusé vous-même volontairement. Dieu prend Paul et il l'envoie chez les Juifs. Les Juifs ont reçu Jésus, ont reçu Paul. Les Juifs ont refusé Paul. Paul a dit à ces Juifs-là, comme vous avez refusé volontairement de recevoir la vie éternelle, je prends la vie éternelle, je l'amène au Père. Est-ce que les Juifs étaient sauvés? Non. Les Juifs se disaient que nous avons eu Abraham, nous avons eu ceci, d'ailleurs Jésus était avec nous ici. Toi, qu'est-ce que tu veux nous apprendre ici? Quitte là-bas avec tes histoires là-bas. Mais ils ignoraient que Paul avait la vie éternelle en main. Yes. Ils n'étaient pas là quand Dieu a remis la vie éternelle à Paul. Quand Jésus remettait la vie éternelle à Paul, ils n'étaient pas là. Amen. Maintenant, ça leur regardait de recevoir ou de rejeter et d'avoir leurs propres opinions, d'argumenter, de dire tout ce qu'ils pouvaient. Ça n'engageait qu'eux-mêmes. C'est la même chose avec le message aujourd'hui. Le message est en train d'évoluer. Et ce que Dieu a fait avec le prophète qui nous a envoyé, c'est beaucoup de prophéties qui se sont accumulées sur une seule personne. Amen. C'est beaucoup de prophéties qui se sont accumulées sur une seule personne. Yes, et il est en train d'accomplir tout ça. Yes, il n'y aura pas un autre message qui va le faire. Et ça vous regarde si vous refusez. C'est pourquoi on s'attache toujours à répéter ce que Branham dit. Moi, il l'a dit. Et les enfants de Branham croiront cela. Les vrais chrétiens croiront cela. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai ministre. Parce que un vrai ministre, il se présente pas à vous. Il vous prêche pas sa personne, mais il vous prêche le message. Il vous présente le message. C'est que dit votre messager.
Maintenant, vous-même soyez libre de prendre ou de rejeter. Tant pis pour vous. Amen. C'est la grande bénédiction que nous avons avec ce message. Donc, il faut étudier le message. Il ne faut pas s'arrêter seulement parce que tu as vu Branham avec le chapeau. Ah, c'est Branham. Hein? C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est quoi Branham? On le met parfois dans le coin là-bas. Parfois, on va le mettre dans un coin là-bas. Donc, là-bas, le coin est vide. Alors que c'est la même personne là-bas qui pouvait changer de ministère, il fait ceci. Il change de ministère, il est aussi là. C'est la même personne changeant de ministère. Mais ça, on ne comprend pas ça. On veut seulement dire, bon, Branham, c'est le message. C'est vrai, c'est le message. Et on le fixe là, on le plaque là. C'est là l'erreur. Pour Jésus-Christ, ceux qui pensaient qu'il était, l'agneau de Dieu, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il pouvait aussi être le temple de Dieu. Amen. Et il pouvait être aussi le Messie. Il pouvait aussi être le Fils de Dieu. Donc, beaucoup de choses. Donc, quand vous le voyez ici, il faut aussi vous le voir là. Il faut le voir là et là-bas. Donc, c'est comme ça que le message a été donné. Bon. Donc, je ne suis pas là pour vous prêcher, mais en tout cas, pour ma part, je dis que nous sommes bénis. Amen. 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 En tout cas, si ça fait que vous regrettez dans vos cœurs, alors priez, pleurez même. Vous pleurez, que le Seigneur vous ouvre les yeux pour comprendre. Alors là, nous sommes maintenant à l'avant-dernière journée de la visitation du pasteur parmi nous. Il nous reste seulement la grâce d'être avec lui le dimanche et après il va retourner en Afrique. C'est pour vous dire ceci que je n'ai pas trop de choses à dire. Si le Seigneur met dans vos cœurs le poids de laver les pieds de Jésus, alors